Monsieur Clément, bonjour. Et bonjour Pascal. Deuxième édition. Exactement. Allez. Donc aujourd'hui, un peu plus de mania, on va dire PPL. Absolument. Alors, ça c'était fait, mise en route. Allez, prévol effectué, barre de traction, on l'a enlevé, document, on va remettre noté. Siège, c'est bon. Allez, frein de parc, on appuie, on verrouille. Les volets, je les ai rentrés, butés. Symétrique. La caméra a l'air d'être bien. Réchauffe carbu. Alors, je refais un petit peu. Voilà, ça c'est bien. Et mélange mixture en haut. Et servitude, tout est off. On est tout off. Les fusibles et disjoncteurs. Ouais. C'était lequel que tu avais enlevé l'autre fois alors? Ah, c'est GDU. GDU, oui, je me disais. Autonomie, on va le voir, mais on a estimé qu'on avait batterie. Donc voilà, on est sur du 80, un peu plus que 80 litres en fait. C'est ça. Armée de détresse, elle est armée. Et voilà le DA40. Le feu anti-colle, tu vois. La verrière, hein, non attachée. Alors, on est en haut, on a la batterie, on a ça, oui. On a ça. Ah. La pompe d'abord. Ouais. La pompe, tu vois. Il y a 40 qui arrivent, qui perturbent ton monde. Absolument. Faut pas grand chose. Hein. Les pieds sur les freins, personne devant. 3, 2, 1. Voilà, on s'entend. Peu de navigation, on va les mettre. On met tout en fait, comme ça on sera bien visible. Le reste est en train de s'activer. L'altimètre de secours, ah bah dis donc. Oui, les pressions étaient basses il y a quelques jours. Extrêmement basses, on est sur des 19. Voilà, ceinture et harnais, on va s'attacher. Hop, je t'aide un petit peu pour qu'on ait bien la radio si le DA40 arrive. Donc on est en 22, en 25. Oui, c'est ça. Transpondeur, donc on est sur 7000. Ça a l'air de vouloir fonctionner. Le du sol du Fox Novembre Alpha, bonjour. Novembre Alpha, bonjour. Sol, Fox Golf, novembre, novembre Alpha, DA40, deux personnes à bord par Kix, Annie Le Coin. Demande roulage pour vol secteur Est, instruction. Novembre Alpha, transpondeur 3720, roulez point d'attente 08 du RAP, est prêt. Et donc je pense que le DA40 va maintenir novembre pour vous céder le passage pour que ce soit plus simple sur votre parking. Donc vous pouvez rouler par les pompes et rappeler près 08 du novembre Alpha. Je roule par les pompes pour le point d'attente 08 du, je rappelle près Fox Novembre Alpha. Ce que j'allais vous demander, Delta Fox. Le point d'attente 08 du. C'est notre Delta Fox, c'est bien derrière le Robin Convenance. Et pour Fox Victor Novembre, maintenez avant le on point d'attente 118 décimales 6. Bon, oui. Je vais passer au point d'attente 08 du et je vais 118 décimales 6. Fox Victor Novembre, c'est là. Oh, t'inquiète pas, on pourra tout régler tranquillement là-bas. On va pouvoir prendre à droite par les pompes. C'est ça. Good afternoon, this is Line Function Golf. To 0 UTC, minus 08, caution bad hazard, wind 020 degrees, 8 knots, maximum 11 knots, variable from 340 degrees to 080 degrees, visibility more than 5 km, temperature 14, GNH 1019, sunset today, 1. Long de novembre 141, Whiskey Romeo, bonjour. Whiskey Romeo, bonjour. Thank you. Novembre 141 Whiskey Romeo. Cet après-midi à Seneca, au parking Aeroflight, information Golf, 3 personnes à bord. Roulage consigne pour un vol sur Melun, des approches et retour. Voilà.
Whisky Romeo, transpondeur 3721, roulez point attente 08 dur, rappelez prêt. 3721, rappel 08 dur, prêt, Whisky Romeo. Non, pour varier les plaisirs, on va aller décoller de l'herbe. Ah, ça c'est pas de refus, tiens justement, j'y avais pensé pour la dernière fois. Je vais le dire là, au ouais. Sol. La single, line seul, bonjour pour le Fox Golf Kilo, Québec Charlie. Québec Charlie, line seul, bonjour. Fox Québec Charlie, nous sommes dans un VR 400, deux passagers à bord avec information Golf. Nous sommes au parking des Aigons et nous voulons faire des tours de piste. C'est une excellente initiative, Québec Charlie. Transpondeur 7000 derrière un bimoteur sortant de votre DARF, roulez au printemps 08 dur et rappelez près Québec Charlie. Fox Québec Charlie, nous irons après le bimoteur au point d'attente 08 dur. Et le sol du Fox Alpha, entrepreneur de l'herbe pour changer. Eh bien, varions les plaisirs, poursuivez le vas-y, roulage et vous récroisez, rappelez près Sierra 6. Et on poursuit le roulage et on croise et on rappelle Sierra 6, Fox Alpha. Einstein de Fox Golf Kilo, sur l'herbe, mets du manche arrière pour soulager. Romeo Delta, Einstein, bonjour. Fox Golf Kilo, Romeo Delta, DR400 au parking sud de pointe pour autorisation pour rouler pour la mécanique, s'il vous plaît. Reçu, débutez le roulage, vous maintenez avant novembre, il faudra laisser passer un bimoteur puis un robin, non, pas vos deux pour le point d'attente, derrière, vous laissez un fly. De quoi? Salut dans les pensées. Je roule et je vous laisse un robin. Je vous laisse un mais la semaine dernière, c'était pour la vidéo. Ça, avec ouais, en fin de compte, j'ai pas l'habitude de décoller forcément. Victor Tango, bonjour. Fox Victor Tango, à TDF Parking Fly pour vol sur le PC avec information. Et tu vas voir, Sierra 6, c'est un peu particulier parce qu'il est très long. Pour le point 08, donc tu vas pouvoir prendre à droite en longeant les balises jaunes. Et dès que le robin qui sort de tangorité, et tu colles les balises jaunes. Voilà, sans moins la jusque là. 3721, je laisse passer le robin et roule au point d'attente 08 dur et rappel. Sachant que dans ce cas-là, même si la piste est longue, faut prendre toujours un maximum. J'ai déjà débuté le roulage, Victor Tango. Ouais, c'est le truc qui est au sol. Ce sera derrière le robin du coup qui est en attente à la sortie des bains. Et de l'herbe coupée. Je débute le roulage, Victor Tango. Désagrégé. Pression d'huile, elle est toujours bonne. Oui. La température, bah, elle grimpe, mais gentiment. Oui, c'est ça. Distance, toujours inop. Commandeur, les pieds. Correction, Romeo Delta, je m'attendais à ce que le TB9 sorte de Tango Unité comme d'habitude, donc désolé. Donc derrière le TB, roulez, quittez chez Fly. Ok, Romeo Delta, je roule après le TB et le Fly. Au Québec, donc maintenant votre position c'est parfait et le robin roule pour Tango 2 et derrière pour l'écoute. Oui, on maintient position à chaque fois au Québec. Ah, il est plus bas que d'habitude. C'est normal, il est encore frais, on va dire, en température. Donc tant que lui il n'est pas encore monté en température, il a tendance à avoir un régime un peu plus faible au ralenti. D'accord. Ah, le ah, ça de se joue sur une cinquantaine, avec une centaine de tours. Chez Fly. Hein. Bon, bon, bah, on va attendre qu'on soit là, quoi. Pas de soucis. Alors, donc les magnétos sont bien sûr bosses. Comme on avait un robin devant aussi, donc on avait franchi quand même sur le robin. La charge, on est dans le vert. Carburateur réchauffe, il vient de le pousser. Purée. Électeur d'essence, je crois qu'il est ouvert. Hein. Ouais, oui, sinon le... Autonomie, ça va, on n'a pas changé depuis tout à l'heure, 80 plus. Alors, on avait dit combien alors à la enfin, il disait combien au niveau des. Eh ben, on peut réécouter si tu veux, je te propose de switcher. Ouais. Vent 0,20 degrés, 8 à 11 nœuds. Variable du 340 degrés au 0,80 degrés.
Visibilité supérieure à 5 km, température 14 QNH 1019, unité 0, unité 9. Coucher du soleil aujourd'hui, 18h55 UTC. Merci d'informer le premier contact que vous avez reçu l'information Golf. Good afternoon, this is Line Information Golf, recorded at 1320 UTC, runway news 08, caution bad hazard, wind 020 degrees, 8 knots, maximum 11 knots, variable from 340 degrees to 080 degrees, visibility more than 5 km, temperature 14 QNH 1019, sunset today 1855 UTC. Please inform line first contact that you have received. Bon, information sur les vents, en anglais, 0,20 degrés, 4,20 degrés. À tous, ici les informations Golf enregistrées à 13h20 UTC, piste en service 08, attention risque aviaire. Voilà, on peut continuer du coup. La température qui monte, mais alors... Ouais, ouais. Ça prend son temps. Ouais. Finalement c'est là où tu vois la différence, quand il est complètement froid. Ouais. Pourtant il fait pas si froid que ça. Alors, horizon artificiel, ouais. D'accord. Pour le VSV, j'ai pas pris les lunettes, donc pas de VSV. Alors, autonomie, même commande, compensateur, je l'avais mis entre 3 et 4. La pompe, elle est sur on. Donc à quel moment on dit qu'il est bon alors en fait? Là c'est que ça commence à être bon. Ça commence à être bon. Ouais. Voler un cran, hop, métrique, vert et à droite. Tout à l'heure j'ai pas fait les tests. Ah. Mission d'huile, briefing décollage. Alors, briefing décollage. Donc, pour une fois nous décollons sur la piste en herbe, magnifique. Donc elle fait bon, elle fait 1000 mètres, ouais. Donc on a plus que d'habitude, mais on accélère moins vite. Ouais, exactement. Donc il ne faudra pas être surpris si quand on arrive à la tour, on n'a pas 50 ans. Ouais. D'accord, on est décalé aussi, donc finalement, ouais. Je sais pas. Bref, rotation 54 nœuds, ça ne change pas. Montée initiale 70, normale 80. Alors attends, je réfléchis un petit peu. Ouais. Donc là-haut, évidemment on n'aura pas de repère de piste en herbe à droite. Nous on tourne dès qu'on peut. Donc, dès que les obstacles le permettent à droite, tu tournes au 120. D'accord, dès qu'on voit qu'on est au-dessus de ce qu'il y a à droite, ouais, exactement. On prend le 120. Voilà, comme ça au moins, tu vois. Et le changement de repère. Le vent ici, on le voit plus. Légèrement de travers de la gauche. Légèrement de travers à gauche. Ok, bah t'as répondu. Et on cherche donc le 1400 pieds, enfin 1500 pieds même. Ouais. Pour une sortie, donc secteur est au nord de Fontenay. Oui, oui, ça je te guiderai pour ça. Et est-ce que tu as terminé ton briefing du coup? Alors briefing décollage, ouais. Je sais pas. Ouais, non. Alors on se met au milieu de la piste. Alors bien au milieu et n'hésite pas, une fois que tu arrives à 40 nœuds, à soulager au maximum le train avant, okay. Pour l'aider à se décrocher de l'herbe. D'accord. Et ensuite, une fois qu'il va décoller, palier d'accélération au-dessus, ouais. De ta piste et une fois que tu as 70, tu montes. Très bien, donc montée, accélération 40, on tire bien, on soulage, ouais, c'est ça. 54, et on décolle. Il va décoller, palier, palier non, 70, enfin. Ouais. Justement, le palier, ouais, normalement, de toute façon, il va bondir à 70, ah, oui, oui, ça va aller vite. Hein. Après, on reste en montée initiale. Ouais. Briefing sécurité, ça y est, la température est bonne. Briefing sécurité, donc. En cas de panne mineure, enfin, en cas de panne avant la rotation, on ralentit, enfin, on freine, on va adapter, etc. On sort, on prévient le contrôle. Oui. En cas de panne mineure après la rotation, donc circuit 08, retour main gauche, panne, au contrôle. Et en cas de panne majeure après la rotation, test de planer, donc 73, atterrissage d'urgence, secteur avant, ça tombe bien, on est sur la piste en herbe. Oui. Voilà pour le briefing décollage, enfin, sécurité. Et... Ouais, je vois d'oiseaux, rien du tout ici. Bon, donc moi je suis ok. Ok, bah c'est bon pour moi. Bon pour toi aussi. Du sol du Fox Novembre Alpha, point d'attente Cirrus, je suis prêt. Fox Novembre Alpha, maintenez avant le point d'attente, veille 118 décimales, 6 bon vol. Merci, je veille avant le point d'attente, je veille 118 décimales. Au revoir. Bien reçu, donc une fois la piste dégagée, je contacte 122, 125, au revoir pour le signal Delta. Hop, hop.
Fox Fox, 8 en novembre pour information, ça sera la 08 gazonnée. Ah, reçu Fox 8 en novembre, rappelez la piste 08 gazonnée. On rappellera piste 08 sur gazonnée, Fox Fox 8 en novembre. Fox normal, ça va une tour, bonjour, alignez vous piste 08 gazonnée, autorisé décollage, vent 0,60 degrés, 7 à 11 2. Je aligne 08 gazonnée, autorisé décollage, Fox normal, ça. Non, moi aussi, on a une tour, bonjour, alignez vous piste 08 gazonnée, et attendez, trafic robin au départ de l'herbe, sortie locale. Reçu pour le. Tu regardes, et on va tu peux ne pas t'arrêter et partir directement. D'accord. Et une fois aligné, vous attendez le moment Et on attend une fois aligné. Bah, alors, le billet de le signe de l'art là. Donc vous m'avez mal collationné, rappelé final, puis c'est 08 gazonné. Voilà. On rappellera final 08 gazonné, Fox Fox. Alors, talon plancher. La Lady Fox, Juliette Tango, on est 080. Juliette Tango, là, une bonjour. Sol, 33-2, on accélère. Golf Hôtel, Juliette Tango, permet ensuite de retour de local et de personnes à bord. Ensuite, je commence à prendre un plan d'arrière, 40. Parcelage, 45. Encore, n'hésite pas. Parcelage encore. Voilà, parfait. 4. Ah oui, il décolle à 53, petit palier. Québec, Charlie, bonjour, après les départs du... 34, 68, 0, 71, 0, 0, 0, 0. Voilà. Okay. Et bien à la droite. Là, on est au-dessus des arbres, on vient à droite. Et on est 70. Avancez un poil. 118, ah ouais, par contre. Donc, ici, on est au piste 080, autorisé décollage en 0,30 degrés 6 à 11. Gardez visuel du Robin, montée initiale gazonnée tour de piste. On garde visuel sur le Robin. Et autorisé décollage piste 08, en novembre, oui, fermé. Parce que Victor novembre, piste 08, gazonné, autorisé touché. Vent 0,10 degrés 4 nœuds, trafic bimoteur, au départ de la Dure, sortie vers Melun. Autorisé touché, piste 08, gazonné, et on a copié l'information trafic. 700 pieds, encore un petit peu. Voilà. On enlève la pompe. Volet off. Montée. Donc on va passer à gauche du patelin et on va chercher le pétan qui est là-bas. Aujourd'hui on a droit du soleil, c'est fabuleux. Ouais. Vent vite de gauche, donc on fait gaffe à ne pas venir sur la ville. On entre en rappel, débute en arrière main gauche, piste 08, Fox Juliette en gauche. Off-Québec Charlie, piste 08 sur autorisé décollage, vent 0,10 degrés 4 nœuds, trafic Robin à l'invol de la gazonnée, tour de piste également. Autorisé décollage 08 sur visuel du Robin, off-Québec Charlie. Donc Whisky Romeo, trafic avant droit, un nautique 13 ampères, modèle R 1500, Robin visuel. Visuel Whisky Romeo. Reçu, Fox Novembre Alpha, trafic arrière gauche, un nautique, trafic 10 moteurs, route vers Melun. Reçu dans Alpha, on est visuel. Fox normal, ça transfère 7 minutes, quittez bon vol. Novembre Whisky Romeo, transfère 7 minutes, quittez bon vol. Tu peux maintenir le palier et escape là. Affirme, transfère 7 minutes, Novembre Whisky Romeo, bon vol. 7 minutes, bon vol, merci. Fox Victor Tango, piste 08 dur, autorisé décollage, vent 0,10 degrés 4 nœuds. Autorisé décollage, Fox Victor Tango. Fox Juliette Tango, début de vent arrière pour toucher piste 08 dur. Fox Juliette Tango, numéro 1, rappel final piste 08 dur. Numéro 1, rappel final 08 dur, Fox Juliette Tango. Sûrement toujours bien visuel du Robin juste devant vous. Affirme, on va s'écarter par la droite derrière lui pour aller au point d'avant. Reçu, parfait, Némo, vous pouvez quitter mon vol. Merci, on va prendre les. À tous les jours qu'on voit un bimoteur en vol ici. Oui, c'est bon, il est passé derrière. Et je le vois au moins de visu. Là-bas, sur la ligne d'horizon. Ah, bon, ça y est, ouais. Voilà. Ok. Bon, allez, hop là. 2450. Hop là, voilà, je t'ai préparé. Merci, les micros, Charles et Lima, on est en finale pour la 12R, autoroute. Ah, il y a un peu de ça secoue un peu quand même. Hein. Ouais, c'est depuis quelques jours là, avec le vent du nord. Ah ben ça,
vache. Il y a le tour en fait. Ouais. Le moteur, il pousse en haut, il pousse le côté. Voilà. Ah, rien n'est bon là. Donc Fontenay-Trésil, la ville est là, le terrain il est par là, si je veux passer au nord, il faut que j'aille un peu plus à gauche. Hein. Ouais, tout à fait. Je peux prendre un bon 0,90 si tu veux éviter le terrain. Ouais. Par là, il y avait un truc intéressant à regarder, mais on s'est un château, oui. Un peu loin. Et tu... Alors, je sais pas si c'était le château que tu penses, mais il y a une espèce de maison, un peu... Enfin, je dirais pas un manoir, mais enfin, c'est pas un château non plus, avec une espèce de petit étang autour. Peut-être, oui. C'est peut-être Et à côté, t'as les écuries. Tu vois le village là-bas, devant, à gauche. Ouais. Je crois que c'est lui, là-bas. Donc, ça si tu veux te rapprocher, tu peux... Ouais. Après, ce que je sais, c'est qu'on le voit mieux quand on passe vers l'obélisque. Ah. Donc en fait, ah bah tiens, je crois qu'il est là. Ouais, là, c'est ça. Là, tu vois les champs qui sont jaunes là. Oui. Avec le camion qu'il y a. Je crois que c'est quelque part juste derrière là-bas. C'est peut-être bien, même bien les quelques maisons avant. Là-bas, non, là. Ah, non, même peut-être avant. Ouais. Là, ouais. Soit c'est lui, soit il y en a après, donc je sais pas exactement lequel. Ouais. Non, ça serait peut-être même plutôt celui-là. Là. Ouais. Ouais. Parce que là-bas, c'est trop près de la route en fait. C'est le petit groupe de maisons qui est là, juste à droite du champ jaune là. Oui. Approche un Iota. Il y en a un autre là-bas, si tu veux, je te montrerai. Ah, ok. Autant voir les curiosités locales. Hein. Oui. Un peu du tourisme. Exactement, ouais, c'est ça. Hop. Et le moteur, il tombe en panne. Le moteur, il tombe en panne, déjà. Donc, un peu trop bas pour faire une check. Je vais me concentrer plutôt sur un terrain. Alors, 70 nœuds, on va le chercher. À la 73, pardon. Mis sous les ailes, là. Alors, je dirais qu'en fait, on est bien parti pour faire ça. Donc, moi, je vais virer à gauche et poser dans le champ qui est juste à côté de la ville. Ok. Comme ça. Ouais, ça me va. 73 nœuds. Personne. Donc, comment tu te trouves, là, par rapport aux angles de planer? Plutôt proche. Un peu proche. Là. Ok. Donc là, un Mayday, Mayday. On rassure les passagers. On peut ouvrir d'ores et déjà ça. Oui. Alors, oui, parce que je ne suis pas trop distrait non plus par moi-même. Oui. Donc par contre, je l'ai visé un point avant la ligne verte. D'accord. Pour être sûr de toucher sur la ligne verte. Si tu veux. D'accord. 73. Voilà, là on voit bien l'influence du vent du nord. Il nous dit, ouais, 14 nœuds de par là-bas. Ouais. 76. Ok. Là en principe, je suis bon, donc je vais mettre... de voler déjà. Moi j'aurais attendu un petit peu quand même. Ouais. T'as prolongé un petit peu la base. Ouais, effectivement. Vu que ton champ est large. Ouais. Ok, bon, là, c'est pas mal. Allez, remise des gaz. Remise des gaz. Alors, hop, on se met en palier. On remet la puissance. On reprend de la vitesse. 70 passé. On enlève le cran de volée. Moi j'aurais préféré la réchauffe d'abord. Ah merde, c'est vrai, la réchauffe. Avec le pied à droite pour la symétrie. On va pouvoir y passer à côté. Oui. C'était fait exprès en fait. C'est ça. Absolument. Donc j'ai enlevé les volets déjà. 70 nœuds. Et du coup, tu vois que t'aurais pu les garder en fait. Ouais, bah oui. Le premier cran de volet, c'était pas pressant de le retirer. Oui, mais on est sur une remontée donc. Ouais. Donc on a plus de volet. On est 500, 400 pieds sol, donc on est bon là. Je vois personne alentour. Non, il y a personne. Je confirme. Ouais, c'est ça. En fait, et là, il y a également des écuries et tout, enfin, il y a des chevaux. En fait, une fois, on était venu faire une balade, un samedi. Ah, mais tiens, on voit les chevaux, là. On voit un cheval. Oui.
C'est original, c'est joli, c'est mignon. Donc juste derrière, là-bas, il y a l'obélisque. Là, tu vas pas reprendre le... Le cap 100, je pense, ça sent pas mal, ouais. Ok, allez hop. Alors ça, on a du 8 de gauche. Oui, et 1500 pieds pour le moment. Donc on n'a pas dépassé la route. Ouais. Et celle-là d'ailleurs. Ouais. Donc j'ai anticipé un tout petit peu la sortie de volée. Oui, c'est là, sachant que le champ était large, ouais, ça aurait pu te permettre de prolonger légèrement la base avant de tourner en finale. Et c'était bien, c'était correct quand même. Et donc après, ce que je me disais, c'était être sûr de ne pas aller... de pas overshooter à cause du vent. Pas forcément d'overshooter, mais d'arriver vraiment trop loin par rapport au point d'aboutissement. Ouais, parce comprends. Que le champ était long, mais bon, on arrive facilement à dégager rapidement. Ouais, je comprends. Après, évidemment, le truc, c'est de ne pas arriver non plus trop court. Ouais. C'était dégagé donc ça posait pas trop de problème. C'est ça. Bah écoute, tu vas pas remonter à 2400 pieds. 2400 pieds. C'est un bel hélico de l'armée sur notre gauche. Ah, c'est un Puma ceci. Grosse bête. Finalement, même vert, on le voit bien. Ah, il bouge en fait. Oui. C'est le peu qui bouge. Alors attends, j'essaie de prendre des repères. Donc on a fronté très bien à droite, c'est ça? Oui, exactement, tout là-bas, derrière la forêt. C'est juste là alors. Bon, on le voit pas, il est assez loin, derrière la forêt. Ah oui, derrière l'autre forêt. Ouais. Je peux prendre le cap 130 maintenant. 130. Et on voit Pierre Machin là. Bon. Oui. Sur le manche, par deux. La température elle est bonne. Ah, on peut voir que notre horizon a été un peu chamboulé. Ouais. Pourtant la succion est bien dans le vert. Donc tout à l'heure on parlait de simu, et justement en simu, le seul truc quoi qui monte vraiment au-delà de ce que je te disais sur le pilotage pour FS 2020, les sensations de force. Ah bah, bien sûr. Mais là, ça, pour le coup, c'est vraiment pénible en fait. Le plus difficile à reproduire dans un simu, c'est l'arrondi. Parce que avec les, t'as pas l'effet de sol qui est suffisamment bien reproduit. Et ensuite, c'est le VSV. Le VSV, quand tu voles dans des nuages pour de vrai en IFR, t'as la convection, les turbulences, Etc. Ouais. Et ça, t'as pas ça dans ton simu, du coup, c'est plus facile. Par contre, après, peut-être qu'ils l'ont fait dans FS 2020, je sais pas. Je pourrais pas te dire, ouais. J'ai jamais essayé, du coup. Mais c'est ce qui manque un petit peu, les turbulences. Quand tu rentres dans un cumulus pour de vrai, ton avion il se balade un peu dans tous les sens. Chahuté. Encore que tu as des effets justement avec l'air, etc. Quand ça tabasse, tu le sens. Ah bah c'est bien. Je me rappelle d'un vol en DA40 justement, il y avait quand même du vent, je me rappelle pas exactement, mais bam. Ça se faisait bien taper. Donc on est 145, là j'ai un peu dérivé. Oui. Par contre, ce qui se reproduit bien aussi, c'est la désorientation. C'est-à-dire que quand tout d'un coup, tu te retrouves face à un écran qui est pas net, quoi, et t'as plus d'horizon, alors là, tu te dis, je sais plus ce qui se passe. Oui, je comprends. Eh bien, écoute, maintenant, tu vas pouvoir prendre un cap 150, et je vais appeler Seine. C'est pas le rosé, ça? Si, exactement, c'est ça. Seine approche, bonjour du Fox Nord Alpha. Fox Nord Alpha, Seine approche, bonjour. Le Fox Golf Nord, on va faire un vertissement de personnes à bord en provenance de Logne, on est 2500 pieds minus 9, ce serait pour des évolutions dans la TMA 7.5. Seine approche Fox Max. Fox Golf novembre Alpha identifié, transpondeur 70-31, confirmez les niveaux traités pour les évolutions de TMA 19. 70-31, et ce serait entre 2500 pieds et le sol de Fox Max. Non, si pas de restriction pour les évolutions, rappelez en fin d'évolution. On rappellera fin d'évolution, Fox 1.
À Plancène, bonjour, répétez l'indicatif. J'ai vu qu'il y avait un circuit de cartes là. Ah oui, il y en a pas. Il y en a pas. On était à la Ferté Gaucher, mais. Alors, de Fox 5 Québec. C'est plus loin que là. Merci, Michael Québec. Rappelez 2 minutes de l'entrée dans la CTR. On rappellera pour rentrer dans la CTR, Fox 5 Québec. Du coup, ce serait une entrée via Sierra Mike. Affirme, Fox 5 Québec. Ok. On va attendre de bien rentrer dans la TMA, d'accord. Et ensuite on pourra faire quelques virages à grande inclinaison pour commencer. Très bien. Pour se mettre en jambe. Parfait. La visibilité est pas terrible aujourd'hui. On a peut-être 7 km, mais au pire. Non, c'est pas grand vide. Et on a, admettons, 4 km de visibilité. Ouais. Est-ce qu'on peut transiter dans l'espace aérien de classe Delta qui est devant nous? Ah, la bonne question. 4 km hein? Ouais. Oula. Alors, je dirais que oui, 4 km, ça fait bien. Alors, on ça paraît pas. Bien en espace aérien non contrôlé, oui. En espace aérien contrôlé, non. Non, non, ah bon? C'est 5 km. 5 km. La visibilité minimum 5 km, espacement par rapport au nuage 1000 pieds verticalement, ouais, et 1500 mètres latéralement pour l'espacement par rapport au nuage, mais il nous faut 5 km. 5 km. Et là, bon, tu pourrais me dire, oui, mais Clément, il existe le VFR spécial, voilà, c'est ça, pour descendre en dessous de ces conditions météo. Ouais. Oui, c'est possible, mais dans une CTR uniquement. Dans la CTR, sauf oui. Sauf que là, on va rentrer dans une TMA. C'est ça. Donc, on ne peut pas. D'accord. Donc c'est une des premières choses qu'on a tendance à oublier après le test PPL. Ah, complet, ouais. C'est une des règles, on va dire, les plus enfreintes par méconnaissance. Oui. Pas forcément, c'est pas forcément dangereux, mais oui. Pourquoi il y a ces règles-là? Tout simplement parce que dans la TMA, du coup, il y a des approches IFR. Oui. Et les IFR, eux, sont pas séparés des VFR en classe, oui, Delta. Oui. Ils ont une information de trafic. Sauf que entre le moment où ils vont sortir du nuage et le moment où ils vont pouvoir éventuellement, oui, voir un avion, si le VFR il est collé au nuage, oui, ils vont pas pouvoir le voir. Donc c'est, d'accord, pour ça qu'on demande 1000 pieds. Et qu'on demande aussi des grandes visibilités, 5 kg. Si on avait 1500 mètres, ce serait difficile. Ah oui, ça va rapide, ouais. D'accord. Donc voilà d'où ça sort tout ça. Bon, on explique rarement d'où ça vient. Non, c'est vrai d'ailleurs, puisque... On explique, apprenez les chiffres. Ouais. On sait pas trop pourquoi. On a l'air d'oublier assez rapidement parce, voilà, que sur les pratiques pas ces trucs-là. Bah. Exactement. Donc là, à combien t'estimes le plafond au-dessus de nous? Ah, il est pas si haut que ça là. Nous on est 2005, là je dirais qu'il est 3000, entre 3000, ouais, bon, même pas. Ouais, 3100, 3300. Ah, si, ils sont, ouais, bien 3300, 3300. On a 2000 pieds là verticalement. On les a les 1000 pieds là? Ouais. Ok. Ouais, c'est pas évident. Ah, c'est très dur. Eh bien écoute, tu vas pouvoir te stabiliser à 2500 pieds, okay, et on va pouvoir débuter nos virages à grande inclinaison par la droite, on va dire, il y a moins, moins d'agglomération. Donc c'est quand tu veux. En fait, nous avons d'enfis à droite. Absolument. Ok. Bon, alors 45 degrés, je le repère un petit peu parce que sinon, ouais, il est là. C'est ça, 45 est le dernier. 45, 60. Et absolument. Bon, finalement, je suis 2600. Bon, on peut accepter 2600, c'est pas grave. Ok. Alors là, c'est vrai que pas top hein, pour avoir un repère extérieur. C'est plus dur. Ok. Bon, donc ça veut dire qu'il va falloir balayer oui, bien pour être certain de ne pas bouger, quoi. Ok, je suis prêt. Eh ben, c'est parti. Sécurité à droite. Oui, il n'y a personne. Personne. Ok. 3, 2, 1. Donc on y va vite. Voilà, j'ai déjà tiré trop sur le gauche. Je remets à plat. Je vais te réexpliquer un petit conseil pour te faciliter la vie.
En général, mon problème sur ce va être en 2007. Hein. C'est pas trop grave. Et que je vais pas assez vite sur le 45. Ouais, exactement. Le roulis met un petit peu trop de temps à venir, voilà. Et t'essayes de gérer l'assiette en même temps. Et après, c'est ça, ouais. Donc c'est plus dur. On reste sur la sécurité. Et je vais te montrer. On va le faire ensemble, vas-y, tu peux mettre ta main sur le manche. Donc sécurité à gauche, il n'y a personne. Donc loin devant, malgré l'horizon qui est un peu plus mauvais aujourd'hui. Alors, 1, 2, 3, je mets mon roulis. Ouais. Je touche à rien et ensuite, dès que j'ai mon inclinaison, là je mets mon facteur de charge. D'accord. Alors pas trop, parce que voilà, c'est que 45, hein. À l'époque on faisait du 60. Ouais. Voilà, et là je te rends les commandes. Là, c'est un tout petit peu plus facile, parce que tu as entre guillemets que du facteur de charge à gérer une fois que tu as mis l'inclinaison. Donc tu peux remettre à plat, en faisant attention à pas trop remonter, parce que pareil, vu qu'on... On fait l'action sur le manche à cabrer. Devant, on a envie de la laisser une fois qu'on a fini notre virage. Oui. Ok. Eh bien, écoute, tu vas pouvoir le faire par la droite quand tu le souhaites. Donc, on part de 1720 pieds. Oui. Bien. Oui. Allez, donc. On incline. Donc, on incline, on incline, on incline, on incline. Alors, voilà. 45. Là, t'as un tout petit peu trop d'assiette déjà. La symétrie par contre c'est pas ça du tout. Parce que t'as mis un peu trop de pied de la mise en virage. Voilà. Un peu plus d'inclinaison. Là j'ai trouvé l'horizon, j'ai trouvé le repère capot. Voilà. Après forcément ça va tout seul hein, une fois que t'as le repère. Ok, est-ce que tu es prêt à renverser 45 degrés de l'autre côté maintenant? Pas de problème. Et ben quand tu veux. 3, 2, 1. Voilà. Voilà, 45, parfait. Tu t'en es pas trop mal sorti, il y avait juste un tout petit peu trop de pied. Ah oui. Quand t'as mis en virage de l'autre côté. Mais tu t'en es bien sorti parce que t'as eu quand même une action sur le manche pour neutraliser l'action à cabrer au moment où tu passais l'inclinaison 0 et t'as repris après ton action à cabrer. Le réflexe de beaucoup de pilotes quand ils renversent, c'est de continuer à tirer et du coup l'assiette monte et tu repars de l'autre côté. Là tu peux remettre les ailes à plat. Très bien. Et donc... Je vais regarder l'heure. Il est 16h03 et notre pression d'huile vient de s'allumer. Vient de s'allumer. Ok. Alors, la pression d'huile vient de s'allumer, donc on va risquer, on va imaginer qu'on va peut-être aller vers la surchauffe moteur. Ouais, donc c'est surchauffe moteur qui va aller rejoindre l'aérodrome le plus proche. Ouais, malheureusement, il n'y en a pas. On ne sait pas où il est, on a intérêt à commencer à chercher où se poser. Donc on commence par rassurer les passagers en leur disant qu'on a peut-être un petit problème et qu'il va falloir improviser. Oui. Un atterrissage en campagne. On passe un message au contrôle en disant qu'on est à tel endroit. 2700 pieds, un problème moteur, peut-être une interruption volontaire de vol. Absolument. Et on commence à chercher. On réduit la vitesse. On a un problème d'huile. On va éviter de le faire surchauffer. J'aurais peut-être même pu commencer par là en fait. Et on va chercher du 80 nœuds et un champ pas intéressant. Alors il y a des champs ici, là, moi je tiens l'anecdote. Et c'est toute la difficulté. Toute la difficulté, elle est là. Bon, alors 2500 pieds. La moyenne ici, c'est 500 pieds sol ici, donc on va chercher gentiment à descendre à un moment donné vers 1500. Ok. Alors, le tout, c'est d'avoir... Ah, tiens, il y a un truc intéressant là-bas. Relativement grand, on a l'axe de la route. Ouais, ça me rappelle quelque chose ici, je suis bien nul. C'est un terrain de jeu connu. Ah, ouais. Non, on en a un autre aussi qui est pas mal du tout. On a peut-être une ligne de tension qui est devant. La route, elle est... pas tout à fait dessus, ouais, sinon celui-là il peut bien le laisser. Bon, on était venu en exercice. Alors on a celui-ci, on a celui-là, on n'a pas de problème moteur donc tout va bien. Les autres ils sont comme ça un peu dans tous les sens. Oui. Alors, si on veut faire les jeux dans les règles de l'art, vous comptez 10 secondes à 150 km/h pour estimer la longueur. Oui, dépassé le. Donc lequel tu choisis? Alors, puisque je suis bien parti pour ça, je vais choisir celui-ci,
Okay. On a le Gossier qui peut servir de point d'aboutissement et on se met entre les deux. Il n'y a pas de, de ligne électrique, rien du tout. Okay. Il n'y a pas d'obstacle. Par contre, là, on a quand même de la... Les plantations qui sont un petit peu hautes peut-être, là ça va pas être top. Ouais. Alors que là, celui-ci, il est quand même plus intéressant. Oui, absolument. Donc ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est plutôt aller sur celui-là, on est 1900 pieds. Ouais, en plus, le vent est du nord, donc... Et le vent, il est par là, ouais. Donc c'est mieux de prendre ce champ. 900 pieds, 150 km/h. Donc lequel te fait plaisir? Donc celui qui me fait le plus, ça, c'est celui... Alors pas celui qui est jaune. Ouais. Ça va être celui qui sera à droite là. Ok, le vert. Vert le vert avec des ouais, espacements. Ouais. Je le vois. Alors, 89, ça serait mieux. Un repère intéressant qui est juste en dessous là. Ouais. Là, ok. Pas 118. Il y a un truc avec une aiguille. Ouais. Encore mieux, voilà, 38. Largement bon. On est à 50, on n'a même pas fait la moitié. Un peu rapide, on est à 85. Donc pour moi il est bon. Alors le tout c'est ça de savoir. Il est celui qui est le plus proche là. On est parti pour le vent d'arrière, pas droite. Alors, on est 50 pieds. On est quasiment à hauteur d'un tour de piste on va dire là. Oui. Alors on a repéré, de toute façon c'est pas compliqué, écoutez, il y a le jaune. Oui. 100 pieds, donc maintenant il faut trouver juste l'éloignement, je dis au-dessus des bosquets là. Il faut avoir son terrain en bout d'aile, hein. ça ne change pas. L'avantage c'est que tu restes sous 2 AP donc tu pourras atteindre le champ même si le moteur s'arrête. Garde de l'altitude. Alors le terrain que j'ai choisi c'est celui qui est là. Non, il n'y a pas de ligne, les lignes sont comme ça, pas comme ça. Donc on va se configurer, on a la pompe, on a le machin, on se met un cran de volée, 2000 tours, un poil près en fait. Oui, bon. Absolument. On ferme, il n'y a pas de... Ah, quoi que... Il y a un poteau qui est là. Il y en a un. Il y en a quand même un, la vache. Il en a suffit d'un. Donc là, s'il y en a un... Faut qu'on soit au minimum à 15 mètres là. Ouais. Donc c'est-à-dire que le point d'aboutissement finalement ce sera pas la ligne. Exactement. Mais derrière on a beaucoup de place. 82. Donc à la radio je pourrais leur dire qu'on est sur une fin de vente arrière pour imposer à côté d'un petit patelin ouais. À, 5 km de Nangis. Ouais. J'ai perdu du temps. Donc là on peut ouvrir. Et... Ok. Un peu haut là, carrément haut. Et le cran de volée. Il cherche à descendre. Moi c'est sûr on passe les 15 mètres. Sauf que la ligne elle est devant, donc tu peux remettre les gaz maintenant. Ah oui, effectivement. Alors, on remet les gaz. Enlever la réchauffe. Ah oui, c'est traître ça, dis donc. Eh oui. Allez, le pied pour la symétrie. Un cran de volée. Envers, pleine puissance, 72.
un poteau ça se balade rarement tout seul. Ouais. Parce qu'il y a souvent une suite, en général en dehors des champs, et des fois en plein milieu. Ouais. Et là t'as pas de chance, c'était en plein milieu. J'ai même pas vu. Enfin c'est aussi, je m'en serais rendu compte dans les 5 secondes en me disant mais qu'est-ce qu'il fout là. Remarque finalement, j'étais finalement un peu haut, ce qui était plutôt un coup de bol, enfin un coup de bol, pour le coup plutôt adapté. Ouais. 80h, on n'est pas sur la ville, on va virer un petit peu à droite quand même. Très bien. L'erreur que t'as faite, c'est d'avoir dessiné entre guillemets un tour de piste qui ressemblait à une patate. Ouais, il n'était pas bien... T'es parti en virage continu pour aller chercher ta vente arrière. Ouais. Bah, une inclinaison un peu trop forte, donc t'étais trop près de ton terrain. Oui. Et petit à petit, vu que t'as pas repéré le cap de ton champ, tu savais pas quel cap suivre en vente arrière, et t'étais convergent tout le long de la vente arrière. Et tu t'es retrouvé forcément avec le champ quasiment derrière toi quand t'as voulu tourner en base. Voilà. Il dit pas de base, il dit pas de segment pour descendre, donc forcément trop haut sur le plan. Ouais. D'accord qu'après, finalement, la descente, dans du 62, à peine 65 nœuds. Oui, après tu t'es rattrapé, mais ce que je veux dire c'est que t'étais tout réduit, sur ce que tu m'avais dit au départ, je vise légèrement derrière mes poteaux. Ouais. C'est pas une décision de ta part, ça a été imposé, donc tu t'es un tout petit peu précipité pour l'interruption volontaire du vol. Et il est 11, donc t'as vu moins de 10 minutes. Hop. Donc tu vas pas remonter à 2500 pieds. C'est normal, donc ça devient le retour à l'ogne ensuite. Affirme, on a encore quelques évolutions imperfectionnelles. En fait. Donc tu peux partir au cap sud en montée et faire ta checklist après décollage du coup. Alors, plus de volée, plus de pompe, pas de réchauffe. Oui. Et cap sud. Cap sud, donc on est 300. Et on va monter vers 3000 pieds. 3000 pieds. Cotam 1764, ça m'approche en fréquence. Un petit peu de pied à droite, toujours. Alors le vent vient de gauche léger. Oui. Toujours vouloir se repérer. Ah d'accord, donc là-bas il y a le complexe machin, côté de Nangis. Hein. Oui. Ben Nangis c'est là, la ville. C'est ça. Le terrain est juste à côté. Ok, je sais où on est. Donc on va monter à 3000 pieds pour une série de décrochages. Bonjour. Cotam 1764, ça m'approche, bonjour. Cotam 1764, un Usingu, deux personnes à bord, actuellement à l'ouest de Blois pour 5 nautiques, 3600 pieds QNH pour transiter dans les zones de tour. Cotam 1764, identifié, transit approuvé, transpondeur 3450, terrain de départ et destination. Cotam 1764, navigation de Havor à Laval sous plan de vol VFR. Merci. On se fait pousser ou quoi là? Ouais, c'est l'info, bonjour du Golf Fox Zulu X-Ray. Petite zone de convection. Zulu X-Ray, c'est l'information, bonjour. Fox Golf Fox Zulu X-Ray, P28 au décollage de Blois, destination de Châteauroux, Déol à 2500 pieds, 1018 et 7030 rondeurs. Zulu X-Ray, vous êtes dans le SIV SEN 8 qui n'est pas actif, en hors espace aérien contrôlé, donc gardez 7000, QNH 1019 et je vous informe pour information que les zones d'avance sont actives. Sur 1019, 7000 et c'est bien pris, Fox Zulu X-Ray, merci, bonne après-midi. Ah ça met les répondeurs automatiques sur la fréquence 127-815, au revoir. 815, au revoir. À 3000 pieds, on a encore 500 pieds, je pense. Ouais. On les ravoie le plus proche, oui. Ok. Je vais voir ça dans la règle, forcément. Je vais être en configuration attente. Alors, on a déjà la réchauffe. Ok.
Banque attente, on se met sur un cran. Oui, deux. A verrouillé, 80 nœuds. 3000 pieds, 2000 pieds. Tu peux bien compenser ton avion. On doit pas être mal là. Ok, et eh ben écoute, tu vas pouvoir du coup pour réduire, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Augmenter l'assiette pour maintenir donc, l'altitude. On maintient la symétrie. Exactement. On maintient l'altitude. On va entendre d'abord l'avertisseur des décrochages sonnés. On continuera de maintenir l'altitude. Et ensuite le décrochage interviendra, on rend la main, on laisse accélérer, remise des gaz, ressources, et on remonte à 3000 pieds. D'accord. Allez, hop, on réduit tout, on est 2920. Oui, vendu pour 2920. Et... voilà, on augmente l'assiette encore, encore, encore. Voilà, légit pas. Hop, hop. Pompe. On continue. 54, ça va pas tarder. Ouais, encore, encore, c'est 17 degrés. Ah, non, 17. Allez, l'assiette, encore, 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 voilà. Encore. Allez, encore, 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 encore. Voilà. Et on décroche. On décroche, on rend la main. Voilà, ça accélère. Les ressources. Et la fréquence. Répondeur automatique sur 127 décimales 815, la suivante avec 20 infos. Et 300 sur 130 décimales 275. Monsieur, et on peut remonter à 3000 pieds. Avec l'entente chaud, l'entente chaud. Merci, au revoir. Ah. Au revoir. Ah, ça ressent la différence, hein. Ah bah oui, surtout sur un 120 chevaux. Ça se joue à 100 tours près. Très bien, tu vas pouvoir prendre le cap 280. 280. Entente formation, vous êtes en 1764, bonjour. Toujours avec Sam. Bon. Pas trop d'assiette, tu aurais ta vitesse. Sen, Vestiaire, bonjour. Voilà, 280. Voilà, et on stabilise. Et encore 50 pieds. Voilà. Très bien. Maintenant, on va faire l'approche du décrochage en descente, en configuration approche. Donc, on a déjà un cran de volet. Déjà le cran de volet, là, bon, ça réchauffe, ouais. Parfait. Donc, on va mettre, admettons, 1700 tours. Allez. Voilà. Se mettre en virage à 20 degrés d'inclinaison en descente. On va se mettre à droite, hein. Pas trop d'inclinaison, voilà. Un petit peu plus d'assiette à cabrer, qu'on descende pas trop vite. Et tu peux tout réduire et maintenir ça, et dès que t'entends l'alarme, on sortira du décrochage. On sortira de l'approche du décrochage. Donc le laisse pas descendre, hein. Vu que t'as tout réduit, il veut descendre plus vite. Toi, laisse-le descendre gentiment, voilà. Le but c'est... que tu es en approche et que sans faire exprès tu tires un petit peu trop. Allez, retiens-le parce que là tu es en train de vraiment descendre et c'est pas ce qu'on veut. Allez, allez, cap, sinon il va jamais donner ton avertisseur. Voilà, comme ça, encore, allez, encore, allez, on cabre, encore. Voilà, là je suis bien. Voilà, encore de l'assiette. Voilà, avertisseur. Hop, avertisseur, je remets les ailes à plat, je descends. Et plein gaz. Plein gaz. Et je me remets. On va libre. Ok. Et on peut remonter à 3000 pieds.
maintenant la réchauffe toujours. Pas oublier, c'est un peu comme une remise des gaz. Hein. Ouais. Refaire un check en fait. Refaire un check. Donc là on est à 30 volets pompe, pas de réchauffe. Ok. On va rester 70 pour grimper aussi vite que possible. Hein. Oui. Alors 230, ouais, d'accord. Envoyer les abassés, c'est ça? Oui. Et tu peux prendre le cap 300 maintenant. Le Fox Golf Uniform Mike India, bonjour. Fox Golf Uniform Mike India, c'est l'information, bonjour. Bon, c'est le Fox Golf Uniform Mike India, un cap 10, décollé de Bangui. En montée pour un quart d'heure sur la 6201, une seule personne à bord et pas de transpondeur. Monsieur McKinney a rappelé à tenir l'axe pour débuter les évolutions et je vous signale un appareil qui passe vertical de l'axe, route nord vers le sud, à 2700 mètres. Alors c'est pris pour l'info de trafic et puis je vous rappellerai avant de débuter, McKinney. 3000 pieds, on repasse en configuration. Seine Info, bonjour, Fox India Tango. Et reste là. 2000. Fox India Tango, c'est l'information, bonjour. Oui, bonjour, Fox Golf Bravo India Tango, DR400 en provenance de Vannes à direction de Chavenay, actuellement à l'est du Mans. Parfait. Et donc on va faire la reconnaissance du virage engagé. Ouais. Est-ce que tu te souviens comment on sort de virage engagé? Quelles sont les actions? Donc, quand on est parti engagé, on descend comme ça, la première chose à faire, quand on constate l'engagement, c'est qu'on réduit complètement les gaz, oui. On remet les ailes à plat, on reprend une attitude de palier quoi, et accélérer au besoin sur l'extérieur à droite. Très bien. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui mène à un virage engagé en général? Qu'est-ce qui va nous mener en virage engagé? Bah, je dirais qu'en fait, quand je suis dans le virage, je regarde pas forcément l'horizon. Ouais, absolument. Je regarde à gauche, ouais. Et puis je vais avoir tendance à descendre, et puis finalement je vais me retrouver. Voilà. Le cas typique souvent, c'est on veut montrer quelque chose au passager, et le pilote a mal fait son job, il passe trop près. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il incline, et en même temps il regarde, pour être sûr que les passagers voient. Ouais. Donc enfin, je te prends les commandes, et je vais mettre l'avion en virage engagé. La personne à droite est en dessous. Donc, j'incline, je prends un point de repère en bas, ouais. Je fais que ça, j'incline, et tu peux là, en sortir. Coup, ok, donc on réduit tout, vers les fesses, à 110 nœuds, voilà. Tant bien, et on remonte. Ça sert à rien de remettre aussi, tu peux remettre du moteur pour remonter, voilà. Souvent parce que le virage engagé, ça se fait à basse altitude. Ah oui, derrière, tu finis très bas. Ouais. Et toujours sans la réchauffe. S'il est bon aujourd'hui, ah, c'est pas... j'ai un blocage sur la réchauffe. Et en fait, ça part vite. Hein. Ouais. Donc, je te reprends les commandes. Ouais. On va mettre ça. 2000 tours. Il n'y a personne à gauche. Et c'est parti. On part à gauche. Attends, derrière le manche, ça sera toujours mieux. Donc voilà, en virage engagé. Hop, on réduit tout. À gauche, hop là, peut-être trop à droite, pardon. Doucement, oui, la ressource. Ouais, voilà, doucement. En fait, là, pour le coup, on sent qu'on a exercé une force assez importante. Ouais. Là, j'étais plus gourmand. Ouais. Là, c'était plus impressionnant, là. Ok, tu vas pouvoir descendre à 1500 pieds que nage en virage au cap 260. 260, à gauche, à 100 pieds. Ouais. Alors, on enlève la réchauffe. Parfait. Enlever les volets. Et on descend vers 1500 pieds. 260, encore 20 degrés. Très bien. Et là, je suis de retour de nave. Il fait tard. La nuit est tombée. Et en fait, j'étais à 5000 pieds et je voyais encore le soleil et je me disais que c'était bon. Que j'allais pouvoir rejoindre l'ogne. Mais en fait, finalement, c'est pas une bonne idée. Vu que je suis descendu, le soleil est descendu avec moi et je me rends compte qu'il fait nuit déjà. D'accord. Donc, on va s'interrompre à nouveau. Le vol. Oui. Et là, par contre, pour le coup, c'est un peu plus... Ah, c'est... Ben, des fois, on voyage au-dessus de la forêt, hein, ça arrive. Eh ouais, c'est une chose intéressante. Bon, par contre, on n'est pas sur une panne moteur, donc c'est bien. Oui. Là-bas, on a un champ qui est relativement grand.
de côté-ci, il y en a un qui est pas mal non plus, avec une approche, c'est bien, mais il est tout vert aussi. L'autre là-bas, il est tout doux, tout marron, donc je préfère l'autre là-bas. Eh ben, allons-y. Le village est à gauche, les mètres entre le village et le terrain, il y a une forêt. Alors, 1500 pieds en émission. Comme ça, sur la... Alors, le vent, il vient d'où? De la droite, après ça, oui, donc on est plutôt pas mal dans l'axe là. Pas trop mal. C'est pas que normalement on aille. À la piste, tant pis. Alors, j'en profite pour regarder ce qu'on a sous les yeux avant. Ouais, non, ça me paraît bien là, celui-là. Donc je vais me mettre bien à gauche, hein. Je vais faire la mesure, déboucler et je vais faire un virage à droite comme ça pour venir me poser par là. 2000 tours, et bon, le réchauffe c'est déjà sauté. Pas d'autres choses qui sont mieux là, non, c'est tout vert. Là, on a même une trouille au niveau des arbres. Ouais, ça me fait bien, peut-être qu'on finit un peu bas. Donc le circuit de pique, en fait, je me mettrai à droite là-bas, au-dessus des champs là. Ouais. Du foot dans le plan, on va rester en sommet de la particulage, on propose de quitter pour explorer l'engine. On rendra ça 7000 transpondeurs, quittez fréquence, au revoir. 7000, au revoir, foot dans le plan. Belle fille, mon billet, et une ligne. Ok. Finalement, il n'est pas forcément très long, alors que là-bas, il y en a un autre qui est peut-être un peu plus. Alors non, on va dire qu'il n'y a que lui. Il n'y a que lui, ok, il n'y a que lui, donc on reste dessus. Parce que si on va plus loin, il y a Dangis. Ah ouais. On risque de les gêner. Mais je pensais à celui qui était juste là. Ouais, ouais. Ok, donc la 82, ça serait bien. Voilà. Et Dangis, du Fox dans l'Alpha, bonjour, un BR400, on est dans le sud des installations, c'est 400 pieds de 10 heures. On fait des exercices basse altitude, on ramène enfin. On est effectué un petit peu plus au-dessus de la base 06. On passe à côté, mais pas trop. Bon, lui, il est bien dégagé. On a bien les lignes de tension, 69. Mais cette fois-ci, elles sont bien en bordure du champ. Il n'y a pas de surprise. Ok, 13. 13-9. Arrête de converger, même si tu as la ville en dessous. Non, non, là, c'était pour le coup, pas volontaire. Voilà. Note l'axe de ton champ, du coup. 22. On a les 10 secondes. Pas bien. 180. Ok. Il est vraiment dégagé, il est long, c'est bien. Ouais. Ok, donc là on passe en base. Oui. En base, en traversier. Donc 0,22, enfin 20 degrés plus 90. Ça fait 110. Ouais. J'en profite pour regarder un petit peu la configuration du truc là. 110. Ouais, je vais mettre plutôt sur les arbres là-bas. Ouais. Alors, prends bien le 110. Voilà, et on 110. Part pour quelques secondes d'éloignement pour pas être trop proche. C'est ça. Ah, mais c'est l'envie, c'est vrai. Oui, c'est pour ça. Ouais. Je ne te proposais pas d'aller plus loin. Cap, tiens bien ton 110 parce que tu vois que le vent en plus il nous ramène. Terrain derrière. Voilà, tu vas pouvoir retourner. On va pareil. Donc 110 plus 90. 110, ça fait 200. Ouais. On est à la bonne distance là. Alors mettez à la plat pour vérifier. Et comment? On est pas mal, voilà. Légèrement près, mais moi je vise la partie un peu plus oui, sûre oui, là-bas, donc y a pas de soucis. Ok, donc on est 82, un cran, à gauche la pompe. On va s'éloigner un petit peu quand même. Pour s'éloigner, c'est par là. Ouais. Donc on cherche 45 degrés arrière droit. 89. Ton avion est compensé? Oui. Ok.
convergent là. C'est le 200, on avait dit. Donc là on est bien là. Ouais. 45. Donc on réduit et on descend de 500 pieds, donc on cherche 1000. Donc 200, ça fait 90. Là on est en base. Oui. On ouvre. Maintenant, donc j'avais dit côté gauche, c'est ce qui me paraissait le mieux. Okay. On voit bien le poteau en fait à gauche. Oui, on le voit. Donc il suffit de le viser pour passer au-dessus. Ouais. À tout réduit, 1000 pompiers. Cherche ma trajectoire. Okay. Ne te précipite pas sur les volets, on n'est pas en encadrement. Voilà, j'ai mon axe. Hein. Voilà. 70 nœuds. Donc là, hop. Pas cran de volée, je vais chercher la vitesse. Le vent va de face là pour le coup, 12 nœuds. Donc c'est tout à fait bon pour nous. Même des sillons. Oui. C'est fabuleux. Ok, bah ça va. On remise des gaz. Alors, on remet les gaz. On enlève ça. On a 70 nœuds, on les a. Tout à fait. Lentement mais sûrement, 70 nœuds. La symétrie s'est établie, montée initiale. Très bien. Donc il était bien long celui-là. Oui, c'était bien. Et toujours cette tendance à être un peu convergé en fait. Ouais. Quand tu étais en vente arrière, tu regardes si tu es bien éloigné correctement, c'est-à-dire par rapport à tonnel, sauf que tu as 5 voire 10 degrés d'inclinaison. Donc pense bien à remettre tes ailes à plat avant de vérifier. Alors, une fois que tu avais remis les ailes à plat, en fait ton champ il était aux deux tiers de ton aile, il n'était pas au bout. D'accord. Donc on va éviter le terrain qui est là et la vue. Oui. Donc on va plutôt par là. Mais pas de problème. De toute façon, c'est silencieux d'Angis aujourd'hui. Oui. Où d'ailleurs? C'est tout là-bas. D'Angis, du Fox Alpha en fin d'évolution dans le sud des installations. On est 1000 pieds montés vers 1500 pieds pour un transit via la verticale. Donc tu peux monter 1500 pieds. Et donc on cherche la verticale. Oui. Comme ça, ça permet de gêner personne, non? Ouais. D'ailleurs, tu vas pouvoir voir les magnifiques damiers de Dangis, si tu les avais jamais vus. Ah non, jamais, je savais pas qu'il y en avait. Dans l'axe de piste. Alors, alors, un peu plus à gauche, tu peux prendre 10 degrés gauche. C'est un champ marron et un champ vert, je sais pas si tu le vois. Il y a normalement un damier rouge et blanc d'un mètre sur un mètre. Waouh. C'est très difficile à voir. Dangis du Foxy4, bonjour. Je vois la route. Et ben, tu prolonges après plus au nord, il y a un champ vert, voilà, tu fais un peu sur la voie. Au nord du terrain, 1500 pieds. Et on est à 2 minutes de la plage. Donc 1500. Et tu peux prendre le cap 350 désormais. 350, donc on part à gauche. Dans Alpha, on est un de tique au sud du terrain, 1500 pieds, on prend le cap 350 en route sur fond de maîtrise. Donc 1500, parce que sinon tu es dans la classe Delta.
Donc on a vu les deux principales situations qui peuvent mener à une interruption volontaire du vol. Oui. La troisième étant une fuite de carburant. Tu te rends compte manifestement que tu as une fuite importante et que ton autonomie ne te permet plus de rejoindre un terrain. D'accord. Donc ça peut être aussi une possibilité. Mais en général, voilà, l'interruption volontaire du vol est assez peu mise en pratique en réel. Il y aurait le cas d'une mauvaise préparation, une mauvaise estimation de la météo, tu dis, là c'est plus bon. Oui, il y a aussi, là, ça peut être ça, mais... Pour le coup, c'est lié à toi, quoi. Ouais, c'est ça. T'es en vol, et tu te rends compte que tu passes sous l'altitude de sécurité. Bon bah là, faut pas hésiter à mettre en œuvre. Je prends soin de la verticale de l'installation à 1700 pieds. Tu peux prendre le cap 330 maintenant. On tenait très aigné là-bas. Absolument. On va passer vertical pour rentrer sur l'ogne. Je vais te mettre la fréquence. Visibilité supérieure à 5 km, température 14, QNH 1019, unité 0, unité 9, coucher du soleil aujourd'hui 18h55 UTC. Merci d'informer l'Union Premier Contact que vous avez reçu l'information Golf. C'est toujours Golf, donc on l'a déjà. Voilà, est-ce que ça te convient? Bah écoute, ouais, c'était bien, c'était sympa, c'est toujours agréable de faire des exercices comme ça. Il n'y a plus qu'à rentrer à l'ogne. À ce moment-là, on peut se faire un, peut-être deux tours de piste en 08, histoire que je reprenne l'appareil des fois de la T26. Et puis après, ben, je fais mes... Les trois tours de piste? Ouais. Pas de problème. On voit le terrain de Fontenay, je vais leur passer un petit message. D'accord. Et tu peux te mettre en descente vers 1500 pieds. Fontenay Trésigny du Fox Alpha, bonjour. Vers 400 Provence de Nangis, on est 1500 pieds, 1900. Route vers la verticale qu'on estime dans 1 minute 30 pour poursuivre ensuite vers l'ogne, on rappelle verticale. Fontenay Trésigny, donc nous on a un hélico R44 blanc et le Charlie Lima, on tourne en étape de base 30, main gauche. Et on a visuel sur vos fronts d'infa. Ok, reçu. Ah ouais. Alors je sais où est la base, un peu de choses près, mais... Bon, il est en base rapprochée, hein. Je crois qu'il fait des exercices particuliers, on l'a entendu faire des autorotations tout à l'heure. D'accord. Lui aussi, c'est son jour de... Oui, c'est son jour d'entraînement. Il arrive en finale, contre finale. Ah, ça y est, visuel, ouais. Ouais, il va s'arrêter sur le seuil. Ah oui. À repartir. Ah non, il a l'air de se stabiliser là. Ouais. Fox Nord Alpha, on est vertical, hein, 1500 pieds, on poursuit en route sur l'ogne au cap nord-ouest. Il est sous l'aile là, donc on voit bien le terrain là, on le reconnaît, il en est un peu haut. Oui. Un ventilateur qui est puissant. Oui. Ça sert à tondre la pelouse aussi. Imagine, Guillaume. Ah, c'est plus la pelouse là quand même. Ah oui. Ça c'est plutôt un champ. Il n'y a qu'un seul hélico qui est capable de faire une boucle. Ah. C'est le MD500 de mémoire. Je connais pas. C'est Red Bull qui en a un. C'est les seuls à faire ça.
Ah, j'essaie de retrouver des choses parce que là, c'est plutôt dans ce sens-là qu'habituellement je vois le truc. Ou alors on part plutôt par là-bas. Tu peux prendre le cap 310 ouais. Et en descendre vers 1200 pieds. Ah, ça c'est la route des 1500 pieds finalement. Ouais, c'est ça. Et même on va pouvoir descendre jusqu'à 1000. On va simuler, on vole à l'altitude de sécurité. D'accord. C'est précis, Charlie Limal 44 blanc, décolle piste 30 en herbe, on rappellera en vent arrière 30 main gauche, on fera un exercice de droite. Reçu, Foxy Alpha, on est en sortie nord-ouest, 1200 pieds, 1019, on quitte la fréquence, bonne journée et bonne exercice. Bon voilà toi, je te remercie. Hop là. Parfait, donc 1000. Là, il y a un petit incendie sur la gauche. 310, hein, tu peux garder. Il y a des petits manoirs intéressants à la 1050. Et on est sur la tour. Il y en a un petit vent de droite, ça. Oui. Ah tiens, voyons, elle est jolie celle-là. Oh la vache. C'est notre chante tout à l'heure, ça. Ah bon? Oui, regarde, avec la partie verte où tu voulais te poser dans ce sens-là. Ah d'accord. Donc regarde tes 1000 pieds. Et non, tu vas remonter dans les nuages. Donc voilà à peu près ce que ça fait de voler à 500 pieds sol. Ouais, parfois on maîtrise pas forcément toutes les altitudes du relief, etc. Mais le jour où tu te rends compte que tu es en navigation à cette hauteur là, oui. Bon, c'est qu'il y a un problème. Il est temps de faire quelque chose. Si le moteur venait à tomber en panne, tu te rends compte que en plus les possibilités sont relativement faibles dans un environnement comme ça. Donc là par exemple on aurait le champ de la droite. Et celui-là, j'approche mon derrière la route en fait. Exactement. Devant la voie de chemin de fer. Merci en bas. Oxmay Québec 6080, autorisé atterrissage, vent 040 degrés sinus. Autorisé atterrissage pour la 08 Oxmay Québec. Donc là on suit la voie de chemin de fer, elle nous amène à 2 minutes d'écho. Oui c'est ça. Là je le sais parce que c'est un de mes circuits de retour. J'aime bien justement passer par la voie de chemin de fer à 1200 là. Fatigue pas le retour, tu sais qu'il est bien calibré. Exactement. En fait, des fois, l'effet que c'est inverse et que tu n'arrives pas bien à déterminer la hauteur que tu as. Tu as l'impression que tu es très bas, oui. Alors qu'en fait, tu es. Ah, exactement. Donc, c'est pour ça que je te montre aujourd'hui. Finalement, les poteaux de ligne électrique, c'est pas mal. Enfin, de TGV, pardon. Oui. Je suis en train d'essayer de voir, là, ça fait à peu près un doigt. On peut rester à 1000 hein, pour le moment, d'accord. Je te dirais pour remonter d'accord. Tout à l'heure. Allez, allez, 1000, force-toi. Ah, non, non, j'ai pris gaffe. Hein. Imagine, tu as des nuages au-dessus. Ah, l'autoroute, elle est là. Exactement. La tour au bonjour du Fox Alpha. Fox Novembre Alpha, Logne, bonjour, 3730 de retour de local, on est 1000 pieds, 1019 avec Golf et on vous rappelle pour monter 1200 pieds en route sur Echo. Aussi Fox Novembre Alpha, rappelez Echo. On rappelle Echo, Fox Novembre Alpha. Le côté agréable, c'est que voler 500 pieds sol, c'est super cool. Ah, c'est joli, mais c'est pas sécur. Voilà. Faut pas en abuser. Faut pas en abuser. Ouais. Tu vois que le moindre petit obstacle, hein, la grue, les antennes, ouais. T'es vraiment plus très loin. Ouais, tu vas pouvoir tourner. En fait, le moindre truc qui se présente, tu grilles ta distance de ta hauteur. Quoi. D'où l'importance de prendre toujours 500 pieds par rapport à l'obstacle le plus gros. Le jour, ça c'est pour ta connaissance personnelle,
de jour, c'est relativement proche. Hein. On prend un nautique et demi à peu près quand on fait une navigation. Oui. Par rapport aux obstacles les plus proches. Oui. Dans une navigation de nuit, ce serait 8 km. Donc il y a beaucoup plus. Oui. Aux alentours de 4 nautiques. Et là, tu te rends compte, il y a beaucoup, beaucoup d'obstacles quand même dans un rayon de 4 nautiques de ta route. C'est vrai que quand on part en navigation, on a toujours cette sécurité, donc on ne se pose pas forcément la question de jour, ce qui se passe à l'inverse. Quoi. Ouais. Alors, on est revenu à 1200, on a écho devant nous. Exactement. Et le terrain, ben, il est là-bas. On est un petit peu devant de droite. Oui. Donc on fera un toucher sur la dure et ensuite un bas sauteur si ça te va complet. D'accord. C'est bon? Ok. Ok. Et ben tu peux redescendre à 1200. Et t'as envie de monter aujourd'hui? Oui. Focus on Alpha, on passe écho 1200. Focus on Alpha, entrée, rappel vent arrière main gauche, piste 08. On rentre, rappel vent arrière main gauche 08, Focus on Alpha. La visée s'améliore tranquillement. Donc là on est... Oh ouais, on voit loin là-bas. Oui, on voit la tour Eiffel dans le fond. En tout cas c'est bien calme. On revient un tout petit peu à gauche pour essayer de ne pas gêner collégien. Quand il n'y a personne en vent traversier, peut se permettre d'être vraiment au-dessus de l'autoroute. Bah, il faut qu'on la voit en fait juste en dessous. Voilà, c'est ça. Oups. Ok, début de vent arrière. La pompe. Fox Nord-Alpha, on débute en terre, 08 sur point touché et à la suite un bas sauteur complet. Reçu pour l'intention, numéro 1, rappelé final piste 08 dur, Fox Nord-Alpha. Numéro 1, rappelé final 08 dur, Fox Nord-Alpha. Voilà, la pompe, les volets. 89 200 pieds. Holy. Un peu secoué quand même. Ah, il y a un petit cumulus au-dessus de nous, c'est pour ça. Alors, quand j'arrive là, je cherche les temps. J'ai trouvé, je suis content. Et je vise le damier qui est, ça y est, visuel. Un poil pas haut, un poil pas vite. Mais tu es dans un 120, donc il faut plus de puissance pour remonter. Ouais. Ça ne suffit pas de... 100 pieds là. Voilà. Parfait. Et j'ai le damier. Voilà. Avec le soleil dans le dos, c'est nickel. La pointe du V. Ouais, et la réduction un peu forte, c'est pour ça qu'on est en train de passer sous le plan. Alors,
Enfin, je vise 900 pieds à peu près ici. Ouais, mais faut pas trop aussi rester trop fixé à cette valeur parce que ouais. Du coup t'as mis trop de puissance et là on est en train de remonter. T'es environ. Environ. Faut pas être. Ok, j'ai la piste. On est dans le virage, on s'aligne. Ah, t'es pas pressé de sortir tes volets. Ouais. Faut pas qu'ils descendent trop non plus. Voilà. Voilà. Parce que l'on rachète 0,8 dur, autorité touchée, vent 0,42,4,9, basse hauteur, vous pouvez rappeler dernier virage. Autorité touchée, 0,8 dur, et on rappelle dernier virage, basse hauteur, faute main. 11 de devant, 9 de latéral. Ouais. Donc je mets un peu de gauche, attention à la vitesse. Ah. On revient dans l'axe. Voilà, je suis stable, je suis sur un plan. 65. Ah, laisse descendre parce qu'on est haut. Et remise des gaz. Remise des gaz ? Oui. Hop là, 70 nœuds. Voilà. 80 nœuds. Parfait. Allez, on monte, parce que ça sert à rien d'avoir trop de vitesse. Et virage à gauche pour le basse hauteur. Virage à gauche, donc on cherche 700 pieds et le bâtiment jaune là-bas. Donc tu as remis beaucoup de moteur en finale, ouais. Et c'est ça qui t'a fait passer haut sur le plan. D'accord. Voilà, 700 pieds, 70. Là, je suis complètement dissymétrique. Tu joues un peu trop avec tes pieds. Ouais. 700 pieds, allez, réduction si tu veux pas te retrouver à courir après l'avion. Mets à la plat. Et configuration. Donc je mets déjà un cran, la pompe qui est déjà bonne. Oui. 80 nœuds. Mais non, c'est bon. Ok, pompe, réchauffe, un cran de volet. Le lac est ici, 70 nœuds. Ah, tu vois que tu joues trop avec ton moteur. Ouais. Tu devrais mettre ton préaffichage. Parce que t'as du vent du nord, n'oublie pas. Et reviens sur ton plan, un peu de moteur, pas de dissymétrie, surtout pas. Et moi aujourd'hui je suis très dissymétrique. Et des volets. Deux crans de volets pour préchauffe. Et on est autorisé. Allez, laisse-toi descendre là. Là je redis tout. Et laisse descendre. Voilà. Parfait. Bah, tu ça peux t'arrêter sur la piste. Les Fox dans le face, ce serait pour un backtrack sur la piste. Approuvé. Et pour dégager un numéro 3 ensuite ? Affirme la Fox dans le face. Reçu. Et une fois la piste dégagée avec le sol, au revoir. Avec le sol, merci et bon après-midi. Merci, pareil, bon. Voilà. Bon, on positionne là-bas pour. Oui, si tu veux repartir, tu veux rouler parking tour ? Parking tour. Ouais, très bien. Le sol, ça, je rentre, je coupe. Et le sol, rebonjour du Fox Alpha, la 08 du dégagé pour le parking tour, s'il vous plaît. Non, on passe à rouler quitte parking tour. On roule et quitte parking tour, Fox Alpha. À gauche, et le parking tour. Ok. Donc ouais, méfie-toi, tu joues un peu trop de tes un pieds. Peu trop je pense pieds. Que t'as été martyrisé par ton instructeur. Ben, à un moment donné, disons que ouais, j'en mettais pas forcément assez ou j'étais pas assez ouais. Dynamique dessus, et puis là, c'est l'effet inverse finalement. Donc là, c'est particulièrement risqué, en dernier virage de basse hauteur. Ouais. Faut être symétrique, hein, parce que t'as tendance à
prendre ton virage trop tard, en plus avec le vent du nord. Donc toujours avoir une idée en tête de savoir d'où vient le vent. Ouais, tu peux t'arrêter là. Parfait. Mais tu peux couper. Alors, ceci, cela, alternateur. En attendant. Là, tu sais quoi? Quelle heure il est là? 5h? Ouais, c'est bon. Très bien. Je vais arrêter et je relancerai tout après. Ouais, pas de soucis. N'oublie pas. Hop.